Salut tout le monde. Aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire, c'est un bilan de notre un an de voyage. Oui, on est même à 13 mois de voyage finalement. Oui, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qui nous manque, ce qui nous manque pas, les avantages, les inconvénients, un peu de tout quoi, c'est un bilan de ce. On a un peu plus de recul, oui, entre les 6 mois ou 9 mois qu'on avait fait et puis là maintenant. Ouais. Moi j'ai peut-être un petit burn-out, toi aussi? Oui, ça peut paraître fou. On se dit qu'on a de la chance, bien sûr, de bouger, voyager, mais par moments c'est un peu trop. Oui. Même si on prend le temps, moi je trouve. Ça fait déjà 3-4 semaines qu'on prend le temps, mais on aimerait bien se poser vraiment à un endroit plus longtemps. Parce que en fait, on n'est quand même pas des gens à dire « Ah, à tel endroit, il y a 10 choses à voir ou 30 choses à voir. » Allez, on les fait. Allez, on les fait. Non. On est parti au matin, on se lève, on y va, on y va. Le lendemain, on se relève, on y va, on y va. Donc, on est plutôt du style « Bon, on prend la journée comme elle vient. » comme si on était à la maison finalement, puisque c'est quand même le cas, et on va voir quelque chose, on va le voir, on n'a pas envie de bouger, on ne le fait pas. Mais malgré tout, la période Alaska, et on a vu d'autres voyageurs, quand on parle entre voyageurs, finalement c'est souvent le cas. Et Alaska, ça a été bouger, rouler. C'est beaucoup de kilomètres. La météo, qui n'était pas favorable, à mon avis, a porté aussi sur... Ouais. Notre système. Il faut savoir que pour quitter Alaska, il faut repasser par le Yukon. Et là, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose. Et la météo était mauvaise aussi, donc c'est roulé. Mm-hmm. Donc, à la fin, on a envie de se poser, profiter, rester à rien faire. Oui. C'est juste, hein? Oui. Et tant pis si on n'a pas fait les trucs. Oui, voilà, c'est comme ça. S'il y a des choses qu'on rate, on les rate. Ça, c'est le sentiment général, là, maintenant. Il faut savoir que sur 13 mois, c'est ça, hein? Oui. Sur 13 mois, on a fait 40 000 km quand même avec le camping-car. 42 même. Non, hein, il faut retirer les 5 000 km en Europe. Oui. Allez, 40 alors. Ouais. 40. Ben, aller jusque l'Alaska et revenir, ben, c'est plus ou moins 8 000 km. Hein. Ah, c'est ce que nos amis ont dit, en tous les cas, oui. Ouais. Et c'est un gros budget d'aller en Alaska. Et le budget moyen jusqu'à présent, sur les 13 mois? Oui, le budget mensuel moyen, il est aux alentours de 2500-2700. Oui, on est vraiment là sur allez, 80% du voyage et dans une partie plus... plus chère. Plus chère. Oui, puisque surtout le Canada est plus cher, hein, et l'Alaska. Oui, puisqu'on n'a fait que 4 mois au Mexique, et encore, embarras, ce n'est pas considéré comme le vraiment, le Mexique est beaucoup moins cher. Le meilleur marché, voilà, c'est ça. On fait beaucoup de boondocking, je pense que 80% du temps, on ne paye pas de camping. Voilà. C'est ça, hein? Oui. Maintenant, parfois, on est obligé, parce qu'il n'y a pas d'endroit, ou alors les endroits ne sont pas bien. Et dormir dans la rue ou sur les parkings de Walmart, on n'aime pas, nous. C'est bruyant. Non, ça, on n'aime pas du tout. Et alors, notre itinéraire. Donc, on est parti le 25 août de Belgique. On est allé jusqu'à Punta Cana faire une quarantaine pour le Covid parce qu'on était ressortissant de l'espace Schengen. Et pour entrer aux États-Unis, il fallait faire une quarantaine de 2 semaines avant de pouvoir rentrer. De là, on est allé aux États-Unis. On a traversé tous les États-Unis directement vers l'ouest. Là, on a voyagé un petit peu, on a visité, mais on avait déjà été 8 fois dans ce coin-là, donc on avait déjà vu beaucoup. On voulait faire le bas de la Californie sur les derniers jours qui nous restaient des 3 premiers mois qu'on a eu. Donc c'était aux alentours du mois de novembre. Oui, là, on en a eu marre parce que... C'était compliqué avec les logements, trouver des places. Oui, il n'y avait pas de boondocking. Non, c'était horriblement cher, etc. C'était horrible, on en a eu marre, on est foutu le camp au Mexique. Et là, on savait bien qu'à Barra, il y avait beaucoup de voyageurs qui passaient l'hiver dans le bas. Donc, on a tracé vraiment vers le bas. Et là, on a vraiment rencontré beaucoup de gens. On s'est bien plu. Barra, c'est pas mal. Oui. On a... C'est un peu une prolongation de la Californie. C'est pas tout à fait mexicain, je pense, d'après ce que les gens disent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Américains.
Et alors c'est fort safe, le Mexique, de ce qu'on a vu. Nous n'avons eu aucun souci. Sauf un peu avec la police, c'est quoi. C'est la police qui est un peu plus... Chiante, mais ça, je pense que c'est aussi, encore une fois, dû aux Américains qui ont le billet facile. Et donc, ils se disent, eh ben, tout le monde va... On met on tout va le payer. Monde dans le même panier et tout le monde payera. Oui. Mais nous... On est sortis avec deux boîtes de coca, nous autres. Oui. Et parce que sinon, toi, tu disais non, moi, je vais payer au poste et ça l'embêtait de perdre du temps. Oui. Donc finalement, il a trouvé quand même une solution facile. On a eu de l'aide. Mais voilà, sinon non. Il faut savoir que les Mexicains sont très gentils. Oui. Et dans le reste du voyage, les gens, les Américains, ils sont plutôt curieux. Ils viennent. Il y en a de ceux, ceux qui viennent nous accoster, ils sont pas méchants. Il y en a de ceux, c'est par curiosité. Il y en a de ceux, c'est plus pour lier connaissance. Au Canada, les gens, on les considère un peu comme les Américains, c'est un peu le même comportement. Hein? Oui, pour nous, oui. Et alors qu'on en voit un qui vient près du camping-car... On les appelle des clients. Oui. Je dis à Fabienne, garde encore un client et hop, il vient poser des questions. Mais c'est de la curiosité. De temps en temps, on en rencontre un qui nous invite chez lui. On a eu plusieurs fois l'occasion. Moins de ces derniers temps. Oui. C'est surtout à Barra qu'on fait des rencontres. Et dans les rencontres, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sortes de voyageurs. Il y en a de ceux qui louent un camping-car. Ce sont ceux-là qu'on a le moins d'attirance. On n'a pas de contact. Et d'ailleurs, parce qu'ils font leur vie. On a zéro contact. Ils partent deux semaines. Il faut qu'ils voient le plus. Ce n'est pas la même mentalité. Il y a beaucoup de gens qui voyagent en voiture. Et même dans leur comportement. Hein, ils n'ont pas le même comportement. Ils mettent leur générateur en route et tout. Non. Il y a les Américains qui voyagent, bien sûr, aussi. Qui, eux, c'est souvent des gros bazars avec générateurs aussi. Oui, ça, c'est le gros problème de l'Américain. Ouais, c'est pas avec ceux-là qu'on a beaucoup de contacts. Maintenant, il y a des gens qui voyagent avec un Mercedes Sprinter comme nous. Ils sont un peu différents, on a un peu plus de contacts avec eux. Maintenant, il y a les Français, les Belges et les Allemands. Les Français et les Belges, on en a rencontré quelques-uns, ça a été. Les Allemands, ils sont un peu plus froids, il y a moins de contacts, je ne sais pas. On dirait qu'ils se garent. Il y a aussi la barrière de la langue, peut-être. Ils ont peut-être plus peur. Oui, en général, ils se garent tout près et puis ils restent dans le camping-car fermé, on ne les voit pas sortir. Les Canadiens, là, c'est beaucoup de contacts avec les Canadiens. Oui. D'ailleurs, très amicaux. On a nos amis Yves et Jean avec qui on voyage depuis 10 mois. Voir bientôt 11 mois. On les a rencontrés à Barrasos, Californie. Oui. Pour revenir dans la suite, donc de Barra, on est remonté aux États-Unis. 3 mois. De là, on est repassé au Canada où on a rencontré nos enfants. Oui, on avait convenu d'un point de rendez-vous. Et c'était atterrissage à Calgary. Et on a passé 15 jours avec eux. Et alors, c'était aux alentours de Banff, Jasper, etc. C'était intéressant les parcs, à part qu'on a été malade, vous le savez. Puis on a continué à monter. Oui, donc on a... C'était le mois d'août. Oui, on ne pensait pas faire l'Alaska au départ parce que c'était loin, c'était un gros budget. C'était au mois de juillet et au mois d'août. Donc on était dans une période propice pour faire l'Alaska. Oui, tout le monde nous vantait l'Alaska. On s'est dit, bon, Yves et Joanne y vont. Ils étaient d'ailleurs en avance. Oui. On s'est dit, allez, on roule, on les rattrape et on va faire l'Alaska. Ben, quel que soit le budget, c'est aucun regret. Si vous venez ici et vous ne faites pas l'Alaska, vous êtes passé à côté de quelque chose. Vous n'avez pas raté votre voyage, mais c'est... C'est autre chose. Oui, c'est le plus bel état qu'on a vu après l'Utah. Et après, c'est l'Utah le plus beau. Mm-hmm. Alaska puis Utah. Et Utah donne un peu des exemples de ce qu'on a vu en Utah. Canyonland, c'était super beau. Oui, c'est ça. Il y avait Arches. Il y a Moab, Salt Lake City, on avait bien aimé aussi. Je ne me souviens plus, mais il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Zion, et c'est où? Zion, c'est l'Utah aussi, je pense. Et à côté de Zion, c'est... Bryce. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Donc, voilà, après l'Alaska, on est revenu au Canada. Il faut redescendre, bien sûr. Et puis, c'est États-Unis 2 mois. On va rester aux États-Unis. On va changer notre suspension. Enfin, il est temps. Elle n'est pas encore arrivée, mais ça devrait le faire. Et puis, on est reparti vers le Mexique. Et je pense qu'on va aller sur le mainland. Il y a 90% de chance. 90. 90.
Voilà, ça c'est un peu notre parcours. On a des notes. Hein. Oui, donc, oui, parce que c'est celle qui baisse la tête. On a tellement à dire. C'est pas parce qu'il a le soleil dans les yeux, c'est juste parce qu'il a des petites notes. C'est un petit brouillon. Là, et oui, là. On prépare quand même des affaires. Hein. Oui, mais c'est le bordel. C'est brouillon. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on aime dans notre voyage? C'est pas non seulement tout ce qu'on voit et les gens qu'on rencontre, mais il y a autre chose. C'est la liberté, déjà. Ah oui, ça, c'est la liberté, on fait ce qu'on veut quand on veut. On se lève quand on veut. On ne doit pas se lever pour aller travailler, ça c'est quelque chose. Si le réveil, ça n'existe plus. Et les gens qui voyagent parfois avec nous, qui font un bout de chemin, vous partez à quelle heure demain? Ben, quand on est prêt. Oui, quand on est prêt, on ne sait pas. C'est nos stress. On ne veut pas d'horaire, pas d'heure. On ne réserve rien parce que réserver, c'est encore... Le problème de réserver, c'est que si on a envie de rester autre part un peu plus longtemps, on ne peut pas parce qu'on doit quitter pour arriver à date. Et en plus, si on a réservé qui fait moche, on est obligé d'y aller parce qu'on a payé. Oui. Donc ça, on ne veut pas. Il y en a qui ont perdu des sous hein, avec des réservations. Hein. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont annulé. Et la météo... Genre, vous prévoyez une traversée, vous espérez que la météo soit bonne, et puis après, ben, il pleut, c'est tempête. Le traversier, lui, il fait quand même sa traversée, mais vous n'avez pas trop envie de le faire. Ben, vous perdez, comme ce sera proche de la date, ben, au moins 50% de votre réservation. Voilà. Oui, je lis mon papier, mais... Donc, ce qu'on a aimé aussi, c'est les paysages, bien sûr, parce qu'on voit des choses de malades, ça, c'est sûr. Montre-moi où on est, en fait, sur la feuille. On est là. Voilà, c'est ça. Et alors, les rencontres, c'est quelque chose aussi. Ça, c'est un chouette milieu. C'est un chouette milieu. Vraiment un milieu de partage, de rencontre, de... Ah oui. Oui, avec les gens en long cours, c'est du partage tout le temps. C'est... On se rencontre et puis chacun sort sa nourriture. Ah ben, moi je vais préparer ici, moi je vais préparer là. Chacun apporte un peu ce qu'il a et on partage. Et même si on ne partage pas sa nourriture, je veux dire, c'est un moment de partage. Hein. On discute, on dit ce qu'on a fait, etc. Oui. On parle de nos problèmes de véhicule. De ce qu'on a vu, de ce qu'il faut faire, parce qu'en général, oui, on ne se suit pas, on ne fait pas le même parcours. Quand on se croise, oui, voilà, c'est ça. Si on est déjà allé à un endroit... On donne moi, des conseils. Encore hier, pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé au pop-up les endroits où on avait logé près de Yellowstone. Donc, tu vois, enfin... Oui. Ouais. Et alors ici, ben, il n'y a plus de jours. Si, il y a le samedi et le dimanche qui est quand même important parce qu'il y a plus de monde dans les campings. Mais autrement, oui. Pour nous, c'est la même chose. Ça, c'est quand même, on fait quand même attention à ça parce qu'effectivement, il y a, c'est, quoique maintenant, ça va déjà mieux puisqu'on est au mois de septembre. Saison, ouais. Et, mais seulement, on faisait attention... Les Américains, attention, quand même, le week-end partent souvent. Hein. Oui, on faisait attention d'arriver, si on devait aller dans un logement, un camping ou quoi, d'y arriver avant le week-end pour être sûr d'avoir de la place. Même si ce sont des logements gratuits, hein, parce que maintenant, il y a des endroits qui sont vraiment dédiés au camping, et donc ben, les places sont limitées. Il ouais. Faut aussi savoir que ça ne nous dérange pas d'être tout seul, mais après un certain moment, on aime bien de rencontrer des gens. Oui. Pour avoir un peu l'impression d'exister aussi, je ne sais pas. Et il y a des voyageurs qui ne rencontrent personne, mais parfois, il faut faire un petit effort, aller sur Internet... discuter déjà avec les gens, puis si ça passe, ben, ah, ben, on se rencontre, on se donne rendez-vous là. Et d'ailleurs, un site qui est intéressant pour ceux qui sont sur le continent américain, c'est sur Facebook. Il y a plusieurs groupes, hein, évidemment, mais nous, on est sur un. C'est 11 000 abonnés, majoritairement francophones. Ce n'est que des francophones. Canadiens, et maintenant, il y en a peut-être des autres, mais on parle que français. Et c'est les Amériques en 4x4. Oui, c'est ça. Oui, je crois. Ouais. Ou sur les routes en VR en Amérique, je ne sais plus. Un truc comme ça. Sur les routes en VR, c'était l'ancien nom. Tu mettras le nom oui. En sous-titre. Je mettrai le nom en sous-titre. Donc ça, c'est tout ce qu'on aime. Bon, il ne faut pas croire que tout est rose. Il y a quand même ah oui, et alors aussi, on est quand même beaucoup plus disponibles l'un pour l'autre aussi. Ah oui. On a... Et nous autres, vivre ensemble, rien que nous deux, ça ne pose aucun problème. Non. On ne se dispute jamais. Enfin, sauf quand on joue à Azul. Là, Fabien tire la gueule tout le temps, mais enfin, j'ai l'habitude maintenant. Ouais, nous, je le bats aussi. Ouais.
quand t'as pas un bon tirage. Alors, donc ce qui ne nous manque pas, ben, c'est le réveil, il ne nous manque pas. Les taxes, ça ne nous manque pas. Le boulot non plus. Non. Et les enfants, ça te manque? Les enfants, mais... Une voiture qui passe. Les enfants, par moments, me manquent, mais heureusement qu'on a la connexion, une connexion régulière avec eux, et donc on leur parle régulièrement. Maintenant, ouais, si, je pense quand même à eux. Un petit peu. Un petit peu. À mes amours. Ce qui ne nous manque pas non plus, c'est toutes les lois à la con et toutes les nouvelles règles qui sortent en Belgique. Ah oui, quand on entend à quelle sauce la Belgique va encore, les citoyens belges vont encore être mangés, il y a même une parodie sur YouTube avec de la façon qu'on est taxé sur les voitures. Américains se foutent de notre gueule. Vous vous rendez compte, ça arrive même jusqu'ici aux États-Unis. Oui, et ils définissent la Belgique en disant que le Sud, c'est des démocrates. Et le Nord, c'est des républicains. Oui. Voilà. Alors, oui, donc, ce qui nous manque, ben, ce qui nous manque, c'est d'avoir de l'eau. Il faut tout le temps chercher de l'eau. Il faut tout le temps chercher après oui, plein de l'eau choses. À volonté, en l'eau fait. L'eau à volonté. Mais on ne manque jamais d'eau, c'est pas ça. En fait, les facilités. C'est les facilités d'une maison. Les facilités et le confort d'une maison. C'est-à-dire que vous n'allez pas réfléchir. Vous avez besoin d'eau, vous ouvrez le robinet et pouf, c'est tout. Vous n'allez pas vous soucier qu'il va falloir remplir une citerne ou quoi que ce soit. Oui. Il n'y a que votre gaz ou votre mazout une fois de temps. Les inconvénients, ben, c'est souvent faire le plein quand même. Mais ça, ça va, il y a des pompes. Il faut faire le plein d'eau, on s'en sort. Parfois, c'est un petit peu juste. Le plein de gaz, on s'en sort plus ou moins aussi. Ben, plus ou moins, non, c'est, on s'en sort. Oui. Trouver un spot dodo... Ça, c'est là que tu galères le plus. Ça, c'est parfois une heure de recherche pour trouver un spot, et sans savoir s'il sera bien, parce que quand il n'y a pas Internet, on ne sait pas voir les photos, donc on ne sait pas si ce sera bien. Et parfois, c'est la misère. Mais en général, je dirais 80%, allez, 60% ils sont bien, 30% ils sont top, du top, et 10% ben, on fait avec. En fait, ce qu'il y a dans les logements, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on peut se mettre n'importe où. Et puis, nous, on n'aime pas d'être sur un parking, d'être en bord de route. Donc, on a des petits critères de sélection bien à nous. Et alors, il y a des régions. Et on a remarqué que c'était dans quelle région que... finalement, on faisait la chasse aux camping-caristes, etc. C'est là où il y a du fric. Oui, oui, où il y a du fric, les friquets, ils ne veulent pas de ça. Ben, non, eux, ils ne roulent pas en camping-car. Donc, ils ne veulent pas de ça, ça va leur gâcher la vue, etc. Donc, à mon avis... Tous les endroits où c'est la côte ouest, c'était le cas. On est allé à Whistler. Oui, il y a des endroits huppés à chaque... Les stations de ski, tout ça. Oui, non. Voilà. C'est finalement le logement qui... est le plus compliqué. Oui. Ça, c'est pas évident. Ben, les lessives, ça va aussi, ça, les lessives. Oui, lessiver, franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus contraignant. Mais en faisant des lessives toutes les 3-4 semaines, et encore, on n'est jamais à fond de placard. Hein. Non. Et alors, c'est vrai qu'on aurait même pu alléger nos placards. Mais... Et Internet, c'est compliqué ou pas? Alors, ça, c'est encore la misère. Ça c'est la chose la plus compliquée pour nous. Donc, nous utilisons un abonnement free, même deux abonnements free, parce que on a droit à 25 gigs à l'étranger par abonnement de 19 €. 19 € non, enfin un peu moins de 20 €. Donc, 20 gigas. 25. Ben, ah oui, c'est 25 gigas. Donc, on en a 50 en tout. Pour 40 €. Pour 40 € par mois. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir faire du téléchargement YouTube, aller voir des vidéos en streaming, télécharger des films, etc. Il y a une certaine gestion autour de cela. Donc ça, c'est compliqué. Mais, et en plus, c'est quand on en a du réseau. Que, oui. Parce qu'il y en a Canada, pas partout. Canada, c'est compliqué. Hein. Alors, Yukon, il faut oublier. Il n'y a pas. Alors, quand on était aux États-Unis, là, j'avais pas encore la carte free. J'utilisais AT&T et c'était une box, un genre de box.
Et là, c'était 55 dollars pour 100 gigas. Donc ça, ça va. Ça, c'était tout à fait confortable. Et enfin, quand on est allé au Mexique... Ça, c'était 6 gigas pour 25 euros. C'était seulement 6 gigas pour 25 euros quand même. Mais la grosse différence, c'était que les réseaux sociaux étaient inclus dans le forfait. Donc, tout ça était inclus dans le forfait. Donc, on gérait, il y a juste les téléchargements que là, on allait dans les endroits... publics pour les films et pour uploader les vidéos. Voilà, alors on va peut-être mélanger un peu les choses, mais quelles sont les pires choses qui nous sont arrivées? Au départ, c'était un peu le Covid que les enfants nous ont amenés au Canada. On oui. suppose que c'est le Covid, on n'est pas sûr, mais on a été à trois être malade pendant 2 semaines et moi... On a traîné ça pendant un mois, hein, oui, nous. Oui. Mais maintenant, il y a une pire chose qu'on a eue, grosse panique. C'est l'explosion qu'on a entendue en roulant, qu'on croyait que c'était la boîte de vitesse, et en réalité, c'était la durite d'intercouleur. Ça a été, le summum. Mais... T'étais down, hein? Oui, et ça, c'était, je ne vais pas dire la cerise sur le gâteau, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, avec tous les problèmes qu'on a eus. Oh, je dois encore faire la vidéo sur tous les problèmes. On n'a pas le temps pour le moment, on est tellement occupé à rien faire que... on va essayer de trouver un moment, mais ça a été quelque chose quand même. Et alors un petit mauvais moment qu'on a eu aussi, on était en train de rouler, il y avait une pompe à essence, il fallait faire le plein. Puis je me dis, il y en a une 30 km plus loin. Bon, on va encore faire 30 km. On arrive à l'autre plus loin. Fermé. Ouh. On était sur la réserve témoin rouge. Je regarde, autonomie 20. Ça va pas le faire, ça. Ça va pas le faire. Obligé de descendre le scooter. Pour aller chercher un bidon d'essence à l'autre pompe. Et la météo était comment? Ouf, il y avait 10 degrés. Et il faisait humide à mort. Mais il pleuvait carrément. Ouais, j'ai caillé pour faire les 20 km en scooter. Mais ça a été... Bon, enfin, ça, c'est pas encore grave. La durite, ça a été la panique, ça. Alors, je vais retourner la feuille. Non. Est-ce que tu ne parles pas de... dans tes meilleurs moments, ou tu retournes quand même la feuille? Oui, alors ce qui est... Oui, pas dans les meilleurs moments, mais dans ce qui est contraignant aussi, dans ce qui est compliqué de la vie en camping-car, c'est le bruit des autres, des Américains avec le générateur, ceux qui voyagent en voiture ou en petit fourgon, les portes qui claquent tout le temps. Ouais. Au Mexique, ils viennent à côté de vous, ils mettent la musique à stock. Ça, c'est... Les autres, c'est quelque chose. Comme dirait, je crois que c'est Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Mais oui. Ça, c'est vrai, ça. Mais c'est vrai. Et alors, la météo, c'est quelque chose aussi. En plus, moi qui fume, je vais fumer. Quand il y a du vent, c'est pas gai, mais quand il pleut, c'est encore pire. C'est pas toujours évident, mais je fais avec. Vous me direz que j'ai qu'à arrêter de fumer, mais ça, tous les fumeurs, et que c'est mauvais pour la santé, tous les fumeurs le savent bien. Mais même, de façon générale, la météo était quand même un élément... contraignant dans le voyage. Il vente, tu pourrais sentir le camping-car bouger. Le camping-car bouge. Il pleut, ça fait du bruit. Il y a, même s'il ne fait pas chaud, qu'il y a beaucoup de soleil, il fait trop chaud. Ça chauffe à l'intérieur. Donc on est vraiment tributaire de la météo. Oui, mais on se plaint tout le temps, finalement. Oui. Et s'il fait froid aussi, parce que tu ne sors pas. Oui. Tandis que dans une maison, tout est régulé avec le chauffage, les murs, le toit... En fait, imaginez-vous, quand vous partez en vacances, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il fasse bon, une bonne température, mais... Et encore, en général, on est dans les hôtels, on cherche la clim, etc. Oui, mais les gens ne vont pas en vacances pour rester dans l'hôtel. Donc, s'ils sont dehors, qu'il pleut, ça ne marche pas. S'il y a du vent, trop de vent, ça ne marche pas non plus. S'il fait trop chaud, il faut aller à la piscine. Et s'il fait froid, il reste à l'intérieur. Et il faut mettre plein de vêtements. Et nous, on n'a pas de piscine avec nous. Non. Non, on se débarrasse de tout, en fait, nous. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses dans le camping-car, mais il faut savoir aussi que tout ce que vous avez dans une maison, nous autres, on l'a dans un seul véhicule de 12 mètres carrés. Dans une pièce. Dans une pièce. Donc, imagine-toi, moi, ma cuisine, mais tout ce que j'avais dans ma cuisine dans le camping-car, c'est impossible. Rien que ce qu'il y a dans ta cuisine, ça ne passe déjà pas. Donc tout ce qu'il y a dans toute une maison, c'est encore pire. Et alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui se partent quelques semaines, voire quelques mois en camping-car. Nous autres, c'est
plusieurs années, donc on a besoin de plus de matériel aussi. On a besoin d'outils parce qu'il faut souvent bricoler, ça on l'a remarqué. Et les outils, je sors souvent la caisse à outils. Oui, parce que tu avais prévu un minimum d'outils, mais finalement tu as dû rajouter des choses. Ah, j'ai dû racheter plein d'outils. C'est dans l'Oregon, comme il n'y a pas de taxes, il y a encore plein de choses à acheter, style clé dynamométrique, des douilles et tout ça. Et c'est pour ça qu'on s'est allégé d'autres choses. Oui. Et je vais faire l'entretien moi-même aussi. Oui. C'est plus facile. Et alors, il faut savoir aussi que le camping-car, c'est une certaine hauteur, donc on ne sait pas faire tout sans échelle. On a racheté une échelle, mais enfin, je crois que c'est 5 kilos. Et on a liquidé quand même 30 kilos de poids, donc on peut remettre 10 kilos d'outils, on a quand même 20 kilos de bonus. Puis, même moi, je dois avoir mes produits de nettoyage, je dois avoir un aspirateur, parce que par moment, je suis là en train de balayer, mais il n'y a rien à faire, rien qu'en balayant, tu ne sais pas avoir tout ce qui est dans le tapis ou des choses ainsi. Mais donc, tu as besoin d'aller plus en profondeur. Et tu peux pas... J'ai pas de machine à laver, je vais au lavoir, mais tu peux pas tout faire sur, aller sur des services. Il y a des choses que tu dois avoir. Parce qu'un garage, on pourrait dire, aller à l'entretien, mais alors, ça vous fait un coup aussi. Ouais, tu peux faire venir une femme de ménage, là, son matériel aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je vais faire venir la femme d'ouvrage. Ouais. C'est vrai aussi que... Le système de glissière, c'est 20 kilos, mais c'est une facilité quand même pour sortir les bacs. Hein. Oui, c'est waouh. Ouais. On a un compresseur aussi, mais quand on va sur la plage, il faut dégonfler. Donc, ça sert quand même pour nettoyer le filtre air du véhicule, nettoyer l'aspirateur. S'en sert quand même beaucoup. Donc, je pense qu'on a fait un peu après un an le tour de ce qu'on avait besoin et ce qu'on n'avait pas besoin. Et tu n'as pas eu peur de te débarrasser de certaines choses? Il y a des choses qu'on n'utilisait pas, qu'on a jetées. On avait un barbecue au gaz flambant neuf, 12 kilos, on l'a acheté, on s'en est servi deux fois. Oui, on l'a proposé à plusieurs personnes, ils n'en voulaient pas. Bah, on ne va pas s'entêter à garder ça pour le plaisir de garder ça. Hein. Donc il y a des choses qu'on a achetées. Avant de partir, il y avait des choses qu'on avait jetées, qu'on n'avait pas mis dans le camping-car et qu'on avait données et qu'on a dû racheter. C'est pas évident, mais maintenant, après un an sur la route, je crois qu'on a quand même acquis une petite expérience, surtout grâce aux gens qu'on a rencontrés, qui nous ont appris des choses. Et maintenant, c'est à notre tour à apprendre un petit peu des choses aux gens, mais on a encore beaucoup à apprendre. Oui, et allez, regardez, la dernière vente, c'était une kayak, ça. Combien de kilos, ça? 13-14 kilos encore de gagné. Oui. Il faut savoir qu'on a des cartouches de silicone aussi, dont on a besoin pour coller quelque chose. Et comme tu dis, l'expérience qu'on a eue, regarde, on a le problème de cette durite-là. Tu te dis, mais est-ce que je ne devrais pas avoir plus de pièces de rechange? Oui, ça pose question aussi, à certains moments, jusqu'où est la limite? Oui, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir des pièces de rechange qui nous permettent de continuer à rouler. Je vais dire, si tu ne sais plus ouvrir une fenêtre, c'est pas grave, tu sais rouler, mais la durite, c'est plus important. Donc ça, on va en commander deux en Belgique parce que c'est beaucoup moins cher qu'ici, à mon avis. Oui, on va voir. Et apparemment, c'est le défaut sur la Sprinter, ça leur arrive souvent. Au garage, ils nous ont dit deux, trois fois par mois, ils en ont. Oui, ils font ça, tous les deux, trois mois. Non, deux, trois fois par mois. Par mois. Donc ça peut quand même nous bloquer un peu quand on sera dans des pays plus difficiles comme Bolivie et Pérou. Oui, parce que... On pourrait commander, mais il faut savoir, il y a des choses qu'on peut attendre, mais si ça prend 3 mois, si ça bloque 3 mois, c'était ça aussi l'anxiété qu'on avait. Oui, et si ça va, ça a été vite, c'était deux Finalement, jours. Ça a été rapide, oui. Parce qu'il faut savoir que la durite... Il faut savoir. Elle vient d'Allemagne. D'Allemagne, elle va en Angleterre. De l'Angleterre, elle va à Toronto. De Toronto, elle est allée à Vancouver. Et de Vancouver, elle est allée à Nanaimo sur l'île de Vancouver. Vous voyez le trajet. Heureusement qu'elle était de stock alors. Heureusement qu'elle était de stock à Vancouver. Maintenant, quelle est la chose la plus dingue qu'on a vue ou qu'on ait fait? Pour moi, c'est d'avoir nagé. Il y a deux choses. Il y a plusieurs choses quand même. Allez, d'avoir nagé vraiment à moins de 30 mètres de la baleine. Là. Mais tu ne savais pas, tu ne le voyais pas. C'est moi avec le drone qui ai pu le voir. Ouais. Ouais. Ce qui est vraiment dingue de chez dingue, c'est qu'on est rentré 4 fois aux États-Unis sur un an. On a eu 300 jours en tout. Ça, c'est... Il n'y a jamais personne qui a eu ça. Ouais. Mais les Belges, on les aime bien.
C'est ça qu'il y a. Hein. Ouais. Ah oui, parce qu'il nous manque du chocolat belge. Oui. Parce que le chocolat suisse, j'ai testé, j'ai dégueulé pendant 3 jours. Salut Laurent. Ah, la chose la plus folle qu'on a fait. Ah, ouf. Ça c'est, on ne savait pas une, quand même une chose, après qu'on a eu chaud surtout. C'est-à-dire que à Yellowstone, il y a le prismatique qui est une mare d'eau de tous les couleurs, toutes les couleurs, dû aux bactéries. Mais le bord, oui. Et alors, c'était enfumé, on ne la voyait pas bien pour faire les photos parce qu'il y a un ponton qui fait le tout. Et le, il y a un... Mais il y a un point de vue. Alors on s'est dit, oui. On va au point de vue pour faire des photos. Il y avait un panneau interdit parce qu'il y a des ours. Waouh, on s'est dit, on va quand même y aller. C'est on n'a pas, pas peur des ours, c'est pas grave. On prend la bombe avec nous. On est monté, on a fait les photos et tchic, on a fait tout ce qu'il fallait. On redescend. Même pas 5 minutes après, il y a un ranger qui arrive et il y avait des autres personnes qui étaient montées. Il n'est pas venu près de nous, hein, mais non. On le voyait à la, au loin. Et nous, on avait fini, on était rentrés. Et il y avait plein de randonneurs qui étaient passés quand même. Et alors, on a appris après que c'était 25 000 $ d'amende. Ouh, je ne sais pas si les autres ont eu cette amende-là, comment ça s'est passé. Mais avec les Américains, il ne faut pas trop chipoter. Non. Ils non. sont trop sérieux. D'ailleurs, les douaniers, ils ont des rides qui retombent comme ça parce qu'ils ne rient jamais. Tellement ils tirent la gueule. Ce qui nous est aussi arrivé d'incroyable, c'est quand on se promenait à... c'est Huntington Beach, là. Oui. Sur le, donc, on, en fait, on savait qu'on avait regardé une série. C'était le nom de... C'était comment le nom de cette série-là? Animal Kingdom. Animal Kingdom. Donc, on avait regardé cette série-là. On savait que les scènes se tournaient à Huntington Beach et qu'il y avait la maison de Baz en bord de mer. Et on cherchait après. Et puis, on était au... C'était au volant du camping-car, puis on voit 3 beaux mecs qui étaient sur leur ponton. Bah, beau. Oui, beau, ouais. Ouais. Et moi, je pue. C'était pas le même genre, mon chéri. Et alors, vraiment, genre surfeur, ouais. Et alors, acteur de cinéma, oui. Et on leur demande, tiens, vous savez où se trouve la maison de base? Ah bah oui, c'est juste là, juste à côté. Puis on se dit, ils se foutent de notre gueule, quoi. Ils étaient un peu charmeurs aussi. Et puis alors, là-dessus, on va revoir la vidéo sur Internet. Et on identifie la façade. On identifie la façade. Il y a plein de camping-cars et de véhicules qui passent. On identifie la façade, 3e fois. Et c'était bien l'endroit qu'il nous avait dit. Puis le gars, il était de nouveau là, parce qu'on y est repassé une deuxième fois. Et on a rediscuté avec et il nous a un petit peu expliqué comment ça avait été lors du tournage. Il y avait les spots sur sa maison pour éclairer la maison voisine, etc. C'était incroyable et une chouette rencontre aussi. Oui, il était content parce que ça veut dire 3 mots en français. Ah oui, oui, oui. Ah, les Américains, les Canadiens, enfin les Canadiens, il y en a plus qui parlent français, mais les Américains, ils savent dire 3 mots en français. Oui, ils sont contents. Hein. Oui. 1, 2, 3. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé toi aussi d'incroyable? Fallait quand même le faire, ça. C'est quoi? Quand t'as rencontré non pas un Belge, mais un Namurois. Oui, parce qu'on vient de Namur, on a rencontré un Namurois qui s'est exporté. Expatrié. Las Vegas. À Las Vegas. Et qui connaît les mêmes personnes que je connais. Pas toutes, mais certaines. Et alors, ce qui est fou, vous devez aller voir ce mec-là. C'est Jean-François Hart, c'est ça son nom sur Facebook? Sur Facebook, de scène, oui. Il me dit, ouais, je fais des shows à Las Vegas et tout ça. Je me dis, ouais, ben oui. Il est figurant, je ne sais pas quoi, mais non, il fait des trucs de fou. Il fait des peintures sous l'eau. Il a fait des peintures sous l'eau. Enfin, il a inventé des spectacles. C'est dingue tout ce qu'il fait. Oui. Salut Jean-François. Un peu spécial, c'est normal, c'est un Namurois, mais surdoué. Je vous laisse 2 minutes, il y a mon gâteau qui est cuit. Le gâteau est cuit. Le gâteau est cuit? Oui. Non, mais pour en revenir aux choses incroyables qu'on a faites ou quoi,
Rencontre incroyable. C'est vrai qu'il fallait quand même le faire de rencontrer, croiser un Namurois à l'autre bout du monde. Oui, oui. Je veux dire, en dehors de ça, allez, un moment inoubliable pour toi, c'est quand même quand tu as pêché l'espadon. Oui, c'était une journée, enfin une matinée. C'était, oui, mais... Le lever de soleil sur la mer. On a eu tellement de choses ce jour-là. Le lever de soleil sur la mer, oui. Les dauphins qui nous accompagnaient, l'espadon que j'ai pêché, les baleines qu'on a vues. Et le retour, l'otarie qui vient sur le bateau, c'est quand même... À lion de mer, je crois. C'était à lion de mer. Ah oui, à lion de mer. C'était quand même incroyable, quoi. Oui. Maintenant... La plus belle chose, le plus beau moment qu'on a passé... C'est maintenant. C'était il y a deux semaines. Non, ouais. Il y a une semaine. Oui. C'était où? À Keok River. À Keok River. Près de Port Hardy. Oui. Sur l'île de Vancouver. C'est dans le nord. Est. On pensait aller voir les orques. Mais il faut savoir qu'ici, il y a des orques résidents, mais qui migrent en hiver. Je crois qu'ils descendent vers le sud parce qu'il fait trop froid. Oui, c'est ça, en fait. Et là, dans le camping, tu as rencontré quelqu'un qui a dit quoi? Mais donc, comme les orques étaient partis, elle me dit qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui viennent jusqu'à 2 ans ici au Canada. Et alors, elle me dit, les orques, ils sont partis. Mais enfin, j'ai un bon spot si vous voulez voir des ours. Et alors, elle me montre sur la carte, etc., et on y va. Et alors là, effectivement, on est arrivé. Les ours étaient là. Il y en avait deux. Il y en avait deux. Et puis, enfin, il n'y a jamais eu un seul moment où on est resté et qu'il n'y avait pas d'ours. On y est même retourné le lendemain. On n'a pas dû attendre les ours. Ils étaient déjà là. Ouais. Et on est resté 2 heures à les regarder. Ouais, ils étaient à 15-20 mètres. Il y avait juste un petit ruisseau qui nous séparait. À un moment donné, il y en a un qui a progressé, qui a bougé. Fabienne est à 6 mètres, je pense, sans mentir. Oui, je ne bougeais pas. J'étais inoffensive pour eux. Ils ne s'occupaient pas de nous. Non, eux, la seule préoccupation, c'était d'attraper des saumons, puisque en fait, on y allait entre la marée haute et la marée basse. Et donc, le niveau de l'eau était à un bon niveau pour eux, essayer d'attraper les saumons. Donc, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'était un moment... Ouais, on a fait combien de photos, là? Ouh là là. On a fait beaucoup. Oui, oui. Il y aura une vidéo qui va suivre avec ça. C'était... Je me suis dit, cette vidéo-là, il va y avoir plein de séquences des ours. Ça va être peut-être 5 minutes. Mais je crois qu'il faut que je la fasse. C'était magique hein, quand même. Il faut que je la fasse. C'est parce qu'il allait pleuvoir le lendemain. Autrement, je serais resté... J'y serais allé une troisième fois. C'était impressionnant. Et oui, parce que finalement, quand on se demande mais qu'est-ce qui est, quels sont les bons endroits, les bons moments, qu'est-ce qui te... Oui, ce qu'il y a, il y a le facteur chance aussi, parce que aussi bien point de vue météo, parce que si votre voyage est avancé de 3 jours, vous avez tout le temps du beau temps. Si vous êtes dans la mauvaise période, vous avez tout le temps de la pluie. Si vous êtes 3 jours en arrière, vous pouvez peut-être à nouveau avoir tout le temps du beau temps. Donc, il y a le facteur chance. Pour croiser les animaux, il y a le facteur chance aussi. Il y en a de ceux qui ont plein de chance. Nous autres, pendant un mois, pas un seul ours. Et les gens publiaient plein de photos d'ours. On était dégoûtés, là. C'est rien. Hein. Ici, on les a tous cassés avec ce qu'on a eu. Hein. Oui, oui. Là, on a eu le top. Maintenant, c'est vrai que j'avais quand même un appareil photo en plus du téléphone. Mais ils étaient quand même près de nous. Ouais, c'était génial. Ils étaient près de nous. Puis il y avait et en plus, petit. Il y avait des aigles. Aigles aussi. Oui. Et puis, il y avait un petit, tout petit, à mon avis, il avait quoi, 1 an? Il avait... Moi, je ne sais même pas. 1 an ou 2? 6 mois, 1 an, entre 6 mois et 1 an, on n'y connaît rien, nous ouais, autres. Oui, il était tout petit, puis alors il mettait sa patte sur la maman, et puis il pilait, oh là là, je l'entendais. Ouais. Puis il arrive près d'un gros mâle, à un moment donné. Ah, là, quand il a vu le gros mâle... Oh, et là, il a paniqué, il a foutu le camp, il a couru pendant 50 mètres et que le grand mâle ne le poursuivait plus. C'était la panique, on l'a vu courir. Ouais. Et on a vu 2 ours se battre aussi. Oh. Ah oui, oui, c'était incroyable. On a eu la totale. Maintenant, est-ce que j'ai un endroit particulier? Moi, je ne pense pas avoir vraiment un endroit ou un moment particulier. Je pense que je suis bien presque partout. Du moment qu'on est dans la nature, au calme, qu'il fait beau, etc. Voyez, vous entendez? Ça, c'est typique américain. Mais on est au Canada, hein, mais c'est la même faune. Les klaxons. Mmh.
parce que quand ils verrouillent leur voiture, et ben pouf, il y a le coup de klaxon. Et puis après, ils sont en train de faire leur course, et ça sonne pendant 10 minutes et ça se coupe pas. C'est... Donc je reprends. Donc, il n'y a pas vraiment un endroit, parce que on peut se balader et voir des belles maisons, etc. Et je me sentirais bien, donc c'était de travailler avec toi, mon chéri. C'est toi qui m'offre tout ça. Moi, j'ai quand même un petit coup de cœur pour moi, pour une restée de semaines qu'on a fait du vélo. Et mais je pense et aussi... on s'était posé, c'était bien, on était avec Yves et Joanne. C'est un moment que j'ai quand même aimé. À Barrasos, California, c'était quand même bien parce qu'on se mettait le long de la plage dans notre fauteuil, on regardait les baleines passer. Mais je pense en fait, ce qu'on aime, c'est se poser. Voilà. De profiter du moment, même avec rien autour de nous, c'est d'être zen, de profiter et vivre la vie, quoi. Oui, et puis il y a des endroits où on ne faisait rien, mais la vue qu'il y avait autour du camping-car, c'était terrible. Hein. Oui. C'est comme... C'est vivre et profiter de ce que la nature nous offre et des choses simples de la vie. Maintenant, on a tout vendu et grâce à ça, on peut le faire. Mais, Si on devait faire marche arrière, non, on ferait quand même ce voyage-là avec un autre véhicule, je pense. Sinon, on serait quand même venu ici. Oui. On ne regrette rien. Maintenant, là, pour terminer... Ah, t'as oublié ta plus belle rencontre. Ta plus belle rencontre. C'est quoi? C'est toi, il y a 34 ans. Yves et Joanne, ça c'est les voyageurs, ouais, c'est notre plus belle rencontre. Ouais, ça, il n'y a rien à faire. Oui. Je sais pas si eux pensent la même chose, parce qu'ils sont un peu spéciaux. C'est des Québécois. Non, c'est vrai qu'on est chaque fois super contents de se voir. Et puis, ouais, il y a une amitié réelle qui est là. Et alors donc, pour résumer un peu, dans le budget de 2 700 €, il faut savoir... Attends, je vais prendre 2 minutes. Pour résumer, point de vue budget, ouais, on en est à 2 750 € par mois. Par mois, mais tout compris, avec le carburant, les assurances, la bouffe, les sorties, entre guillemets. On ne sort pas beaucoup, on va quasi pas au restaurant, on y va. Non, mais à un moment donné, on a fait des achats, etc., pour les enfants, où on s'est fait plaisir par rapport, où on a acheté des trucs extra. Pour, ouais. Le plus gros budget, c'est le carburant, c'est 600 € par mois. Mais ça, ouais, on peut le diminuer en voyageant lentement. Oui. Ce qu'il y a, ça a pris un coup le budget en allant... En Alaska. Hein. En Alaska, parce que l'essence est très chère au Canada, au Yukon et en Alaska. Oui. Même aux États-Unis, ça a fort augmenté. Quand on va redescendre au Mexique, ce sera mieux, c'est 1 € du litre. Donc là, c'est 600 le carburant. 400 pour les assurances... Santé et véhicule. Donc ça fait 1000. On est à 700 € de nourriture par mois. Oui, pour nous deux. Nourriture et de temps en temps un petit resto. Donc, Et alors Internet plus toutes les applications, c'est un petit 100 € par mois. Je dirais plutôt 80. Oui. Et tout le reste, il y a l'entretien du véhicule, un peu d'hébergement. Le gaz. Qu'est-ce qu'il y a encore comme... comme je le dis... On ne fait pas d'excès pourtant. Non, du mais... tout. Mais il y a tous des frais divers. Forcément, on a eu les enfants, donc on leur a fait plaisir aussi à ce moment-là. Donc, ça a un coût supplémentaire. Au lieu de les gâter quand on est à la maison, on les gâte avec nous, quoi. Donc, un petit peu. Et nous, 2 750, c'est largement dans notre budget. Maintenant, pense même que, avec deux... évidemment, ce qui est assurant, il y a des trucs, de toute façon, tu ne sais pas compresser, hein. Et le carburant, tu sais compresser. La nourriture, tu peux peut-être un peu compresser. Les assurances, ça ne sait pas ça. Donc, je pense qu'en tirant un petit peu dessus, il y a peut-être moyen d'arriver... Ouais, 2000 et demi, 2003 et 2000 et demi. De toute façon, nous, notre budget mensuel, il va être de plus en plus amorti parce que là-dedans, comme je te dis, il y a des choses qu'on a achetées et qu'on utilise ou qu'on va revendre. Ou... Et alors, ce qu'on n'a pas compté dans le budget non plus, des 2750, c'est qu'on a acheté 2 mountain bikes. Oui, non, ça, on ne les a pas achetés. Et alors, on a acheté un surf électrique. Plus
La suspension qu'on va mettre sur le véhicule qui est quand même de 4 300 $. Oui, parce que ça, on considère que ce sont des frais que soit, enfin, c'est soit entre guillemets des jouets ou par rapport au véhicule, on aurait fait l'adaptation avant. Oui. Avant ici, c'est parce que ça se passe pendant le voyage, mais sinon, non, il faut pas le compter. Oui, alors il y a des gens qui disent vous avez trop. Ouais, des vélos, un surf et tout ça, mais il faut se dire une chose, c'est notre maison, il nous faut des loisirs. Oui, comme je disais tout à l'heure avec les lessives, comme quoi on ne va jamais à fond d'armoire, c'est vrai que j'aurais pu prendre vachement moins de vêtements que ce qu'on a pris. Mais si tu avais fait ça, c'était les foutre à la poubelle, à la poubelle des vêtements qui n'avaient rien, quoi. Il n'y a pas de caisse chez quelqu'un, hein. Il n'y a pas de caisse avec des vêtements, de la déco ou quoi, non, hein. Tout ce qui n'était pas... qui n'allait pas dans le camping-car n'est pas allé entreposer, à part des photos, certaines photos chez nos enfants. Sinon, oui, quelques papiers. Papiers importants, mais sinon... Oui, il y a deux caisses, quoi, oui. Chez les enfants. Non. Et toute notre vie... est là. Est là, notre maison est là et notre vie est là. Donc, dans les inconvénients, ce qu'il y a aussi, il faut vider les pipis, c'est... Tous les combien de temps, ça? 2 jours. On vide, oui... C'est 2, un peu plus parfois, mais on mit sur 2, tous les 2 jours, on vide les pipis. Et les cacas? Une fois par semaine, en général. Ouais, donc ça va. Les cacas, c'est dans les poubelles, les pipis, c'est dans la nature. C'est de l'âme, hein? Ouais, et ça doit se faire. Les poubelles, c'est un peu chiant aussi, parce que ces 2 petites poubelles, c'est assez vite rempli. C'est vite rempli, maintenant tu as organisé pour qu'on puisse les déposer là, à dans l'arrière. Dans un bac à l'arrière. Oui. Aux États-Unis et au Canada, en général, il y a des poubelles partout. Au Mexique, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais ici, c'est vrai, il y a des poubelles sur les bords de route, etc. Donc ça, c'est assez facile. Ou dans les pompes à essence, c'est là aussi, fréquemment, où on dépose nos ordures. Et alors, chaque fois qu'on s'installe, ben, c'est sortir les chaises, il faut sortir la table. Il faut tout déployer, oui. S'il y a du soleil, déployer le store. Quand il pleut aussi, parfois pour toi, ouais. On met un tapis, on le frotte, on peut pas laisser traîner quelque chose parce que ben sinon tout est directement en bazar. Donc il faut être organisé. Et alors il faut chaque fois replier tout. Quand c'est plusieurs jours, ben ça va. Quand c'est un jour. On déploie le minimum quand c'est un jour. Oui, on va pas sortir le tapis, etc. Mais seulement. Et c'est une routine. Enfin, moi, ça me pèse pas encore de trop dans les choses à faire. Oui. Les vélos, c'est un peu chiant aussi parce que c'est pour partir 1 heure. Ben, il faut retirer 5 cadenas. Oui, parce que c'est vrai qu'avec tout tes cadenas, mais en plus, il y a parfois on se dit ah, on va faire une grande randonnée, puis après on s'aperçoit qu'il y avait 100 mètres à faire. Oui. Il faut retirer 5 cadenas, retirer la bâche, descendre les vélos. Après, remettre tout, les charger. Oui. Ça fait beaucoup. Quand on est chez soi, ben, on prend le vélo dans le garage, on est parti, quoi. C'est ce qu'on avait à Wipion. Oui. Non, c'était plus facile. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question, là. Oui. On va voir. Ok, ce qui te vantait. Allez, circulez, rien salut. À voir. Oui, la place est prise. Tout. Et t'es content? Ben oui. Ça va? Je suis content d'avoir quitté cette Belgique. Et le bilan, il est positif? Ah, bien sûr. Allez. Et toi? Ouais, moi aussi. Je suis heureuse. On est bien. Et d'ailleurs, ça se voit sur nos photos. Les gens sont... Sauf quand il a un problème mécanique. Là, ta tête, elle change. Hein. Mais quand tu as une bonne nouvelle, directement, ouh, il illumine. Et quand... Les jours du visa vont être finis et qu'on doit repasser la frontière. Je me tracasse aussi. Hein. Ah oui, mais t'es un grand anxieux, hein? Oui, on était cool, on avait eu un nouveau 90 jours, puis crac, l'histoire de l'explosion de la durite. Ça t'a sapé le moral. Ah oui, moi c'est des trucs, j'arrêterai le voyage. Mais on va rester encore. Ouais, on va encore rester un petit peu. Hein. On va encore les ennuyer un peu. Hein. Non, on vous ennuie pas. Hein. Allez. Enfin, de toute façon, si on vous ennuie, bye. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Oui. Posez-les. On répond à tous les commentaires. Et si on a oublié, désolé. Un petit rappel. Oui. Et voilà. Mais sinon, et puis parfois, ça met un peu de temps. Ça dépend des connexions où on aperçoit un commentaire et puis il faut le temps de pouvoir y répondre. Oui, ici, c'est pas possible de répondre. Il n'y a pas Internet. On est au milieu des bois.
Et c'est pour ça qu'on fait la vidéo, parce qu'on n'a rien d'autre. Monsieur, on va aller jouer à Azul, là, maintenant. Allez. Salut tout le monde. Bye bye. À bientôt. Bisous. Salut. Si vous aimez la vidéo des Frabies, n'oubliez pas de mettre le pouce. Et encore mieux, vous abonner. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, enfin tout quoi. Allez, ciao ciao. Ah, ciao ciao. Si te gusta Les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos. Excellent. Si vous aimez Les Fabris, abonnez-vous. Mais Joanne. Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous, Frabies. N'oubliez pas le petit pouce bleu.